watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't have what you need. Après 6 ans de carrière, John Dee renouvelle pour la saison 2018 sa série de moissonneuses-batteuses à rotor S600. Disons-le d'entrée de jeu qu'avec les nouvelles S700, il s'agit plus d'une évolution que d'une révolution. Le constructeur américain s'est surtout concentré sur les performances de réglage, les automatismes et le confort de ses machines produites dans 3 usines, aux USA, au Brésil et pour ce qui nous concerne en Allemagne. Donc pas d'évolution sur le plan du style ou de la technique, les S700 sont entièrement calqués sur leurs prédécesseuses. Pour constater le progrès d'une génération à l'autre, il faut en prendre les commandes. Je vous propose par conséquent d'embarquer à bord de sa cabine. Premier point apparent, le nouveau joystick rappelle celui des derniers 6230R et 6250R ou des pulvérisateurs américains. Et l'on pourrait même faire un parallèle avec le monde du jeu vidéo tellement sa forme rappelle certaines manettes. Il tombe parfaitement dans la main et peut même être personnalisé. Les 7 boutons sont accessibles et ergonomiques. Celui-ci est greffé à l'accoudoir Command Arm redessiné dont l'extrémité supporte l'interface Command Center 4006 tactile et couleur aussi ergonomique que complète, présentant jusqu'à 15 informations essentielles à l'utilisateur. Cet écran est lui aussi configurable, notamment selon le chauffeur, un atout lorsque la machine est acquise en Kuma. De votre siège conducteur en cuir ou tissu ventilé oscillant de gauche à droite pour ménager vos vertèbres lorsque vous utilisez les plus larges barres de coupe, vous disposez d'un pack techno particulièrement complet. Le Harvest Dock permet de stocker sur une carte de données les valeurs d'humidité du grain, le rendement, le type de culture ainsi que d'autres informations. Le guidage autotrack est compatible avec l'ICA, deuxième version, abordée par la S600 qui permettait de superviser la vitesse d'avancement, la qualité, la propreté et les pertes des grains. L'ICA 2 des S700 modifie cette fois-ci automatiquement les réglages afin de maintenir le rendement souhaité à niveau constant. Il totalise 24 fonctions automatiques et fonctionne grâce à une armée de capteurs. Si la capacité de trémie n'évolue pas, son système de pesée devient de plus en plus précis et fiable. Plus besoin de l'étalonner. Il calcule en continu l'état de remplissage grâce à 3 pesons. Tellement précis, selon John Deere, qu'avec l'Active Yield, on n'aurait plus besoin de peser les bennes, chaque trémie étant comptabilisée par la machine. Autre évolution, toujours accessible via le poste de pilotage, le mode broyage au mode endainage s'effectue d'un simple clic. Le broyeur à 100 couteaux et le diffuseur dynamique APC broient finement la paille et la répartissent sur des largeurs de coupe importantes, comme John Deere le pose jusqu'à 12 mètres. Au niveau du caisson de nettoyage Dynaflow Plus, John Deere agrandit la surface de nettoyage à 6 mètres carrés. En gérant sa direction, son alimentation, la qualité de battage et de nettoyage de façon totalement autonome, conduire une John Deere S700 est un véritable jeu d'enfant. Cette nouvelle génération est d'ores et déjà disponible à la vente et peut s'armer de nouvelles barres de coupe Premium Flow 700 PF de 6,70 m à 9,10 m ou d'une coupe à tapis 700D qui a été adaptée aux récoltes et aux conditions rencontrées en Europe.